À Millery, la fibre était disponible en janvier 2020. Mon opérateur m'avait dit qu'il me contacterait pour avoir la fibre. Ils m'ont contacté au mois d'avril et je l'ai eu au mois de mai. C'est Mourad Jean-Yves, j'habite à Millery. Je suis un utilisateur d'Internet, donc j'avais déjà besoin d'avoir ça. J'avais besoin d'avoir la télé avec mes passions automobiles ou moto, donc avoir des chaînes payantes et avoir pour mon téléphone portable. Voilà, ça c'était mes demandes au début. Avant qu'on ait le Covid, en fait. Et le Covid a changé complètement ma vie parce que je me suis retrouvé à devoir travailler à la maison. Comme je suis chargé d'études, donc j'avais besoin de travailler avec beaucoup de données. Et comme on pourrait dire avant, j'avais la DSL, eh ben, je travaillais déjà la nuit pour avoir un peu plus de passage en information. Et ça n'allait pas quand même. J'étais très limité. J'étais obligé d'envoyer tous mes dossiers par zip. Et c'était mes collègues qui étaient encore au bureau qui les déposait, qui les dispatchait au point de vue du serveur chez nous. Le jour où on pourrait dire j'ai eu la fibre, bah c'était le jour et la nuit. Là, je peux aller sur le serveur, c'est même le serveur qui est trop long. Entre ma vie privée et ce qui était professionnel, je ne pouvais pas aller sur Internet, faire mon travail, avoir la télé allumée ou des choses comme ça. Ce n'était pas possible. Maintenant, je peux faire ce que je veux, à l'heure que je veux, il n'y a plus de souci. Et puis pour les données d'information, ça va beaucoup plus vite. Mon raccordement, bah, j'ai téléphoné à mon opérateur, une personne est venue et ça a été fait en une heure et demie. Ça a été très rapide parce que moi, il devait aller jusque dans le garage parce que moi, ma box est dans le garage et la maison, il y a des RG45 partout. Je lui avais déjà préparé un peu les câbles par où il devait passer. On a attendu une demi-heure pour que la ligne soit mise en route et puis c'était parti. J'avais la fibre. Les usages, c'est bah, maintenant c'est professionnel. Je peux jouer en ligne. Et puis, je peux avoir tout d'allumé en même temps, quoi. Avant, j'étais toujours limité par le débit. Maintenant, je m'en soucie plus. Les chaînes payantes, c'est sûr qu'il n'y a plus de problème. Parce qu'en plein à Grand Prix, qu'il y a une coupure, je peux vous dire, il y en a un qui est sur le canapé, qui a les ongles qui sont dans le canapé, c'est moi, quoi. Pour une vie quotidienne et professionnelle, je pense qu'on est au mieux. On ne peut pas avoir mieux maintenant.